Bonjour à tous. Alors, on est où ici? Touré Taxi. On est à Touré Taxi. Alors, pour la 12e bourse des collectionneurs, on est ici. Ce sera très chaud. Ouais, il y aura du lourd. Invité là, youtubeur et mangaka et écrivain. Voilà. On est chaud, on est là, on vous attend avec impatience. On a quelques petites surprises aussi pour vous. Mais ça, il faudra attendre la vidéo ou venir directement. Exactement. Donc, on est chargé, comme on peut le voir. On est un peu chargé et il est 8h du matin. On marche. Il fait froid. On arrive, il fait froid. C'est vrai que quelques petits degrés en plus nous auraient fait plaisir. Mais bon, comme je parle car c'est pas grave, on est motivé, on est chaud et on se revoit tout de suite. Pour une vidéo pour vous montrer exactement ce qui se passe. Je suis donc entouré de toutes les préparations. Je commence maintenant. Nak, ça va Nak? Tout se passe bien. Ça va s'ouvrir dans quelques minutes pour tous les fans, les collectionneurs qui vont pouvoir venir ici. Je vous montre un petit peu en avant-première ce qui se passe. Regardez ça. Comme je vous dis, ils sont en pleine préparation. Le placement du Goldorak ici. Alors les poteaux, je suis ici avec lui. Hein, vous le connaissez. Hein. Il est immense. Il est immense. Regardez-moi ça. Bonjour, alors je suis avec Laurent. Laurent. Laurent qui vient de la région parisienne. Waouh. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu as? Tous les quatre premiers films Batman, donc quand j'étais adolescent, je suis tombé dedans. Et donc je collectionnais absolument tout Batman. Dès que Kenner sortait quelque chose, je collectionnais tout. Ça fait 2 ans et demi que je revends la collection, donc tout ce qui est Batman Animated, c'est parti. Wow. Et là, il me reste du Forever, Batman et Robin, Batman 89. Et l'état surtout, l'état de conservation. Ah oui, j'étais maniaque, donc tout est en boîte, impeccable. Ouais. Super, je vous montre ça en zoom. Ah, c'est quoi celle-là? Ah, waouh! Total Justice. Et mes prix sont vraiment très raisonnables. Ouais. Prix raisonnable, t'entends quoi ça? Eh ben, ça va de 20, ça commence à 25 euros. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, c'est pour très raisonnable. Une figurine 4-30 ans. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. 30 années pour 25 balles, franchement, ouais, ça démarre. Très bien, très bien. Cool. Je suis avec Jean-François. Alors, je vois que tu es fan de l'univers Star Wars et tu as créé ton livre, je pense. C'est ça. Tu as créé ton livre Kenner qui répertorie tous les jouets Kenner. Donc, de 1978, 78. C'est ça, 78, c'est ça. 85, à 85, super. Et qu'est-ce que tu as eu à l'idée pour la création de ce livre? C'est le rachat Disney qui a été finalement l'élément détonateur. J'avais ça dans la tête depuis des années, puisque j'avais 46 ans de collection qui sont dans ce livre. Le livre a pris 10 ans de travail parce que j'ai eu la chance de rencontrer aussi bien des ingénieurs et des designers chez Kenner qui m'ont expliqué le process de travail, comment ils ont aussi obtenu la licence. C'est ça qui est aussi passionnant. Et donc, chronologiquement, je reviens sur l'ensemble de la gamme de tous les jouets qu'on voyait dans la trilogie d'origine à l'époque. Et puis, j'ai rajouté aussi ce qui m'a pris du temps, c'est de faire des vidéos. Ah oui, oui. 160 vidéos, puisque dans le bouquin, chaque objet a son propre QR code qui permet au consommateur, avec son téléphone portable, d'en savoir un peu plus sur l'objet, puisqu'il est présenté en mouvement, avec toutes les pièces supplémentaires que je peux
pas forcément prendre des photos, même s'il y a déjà 3000 photos, et en plus via l'application on pouvait donc scanner. C'est génial, c'est une superbe idée. Et donc ce beau petit bijou de livre, vous le vendez combien? Eh bien, spécial au salon Bonjour. Kokoro, il est un peu plus cher en ligne. Bon alors Nak, comment ça se passe? Ça se passe bien, hein, ça vient de commencer tout, on est là, on est chaud. Hein. Voilà, moi je voudrais que tu me montres quelques dessins. Ok, pas de problème. Alors les dessins de la première version, d'abord on va montrer le livre. Vas-y, montre d'abord le livre. Ok, il est là. Ça c'est la première version. La première version. Noir et blanc. Ok, voilà. Et on peut voir en couleur. Certains dessins que bon, j'ai continué ensuite. Ça, c'est toujours de la première version? La première version, bien sûr. Ok. Ça, c'est des dessins de la première version. Est-ce que tu signerais pas ce dessin? Non? Je signerais. La première version, ça peut prendre de la valeur plus tard. Voilà. Alors, ça, c'est ceux qui veulent lire à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, voilà. Et un autre dessin que j'ai fait à l'époque en couleur. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la nouvelle version qui nouvelle est version incroyable, avec des scènes qui vont arriver. Inédite. La nouvelle version, elle est là. C'est pas mal du tout ça, hein. C'est un beau dessin, voilà. C'est très quali. Hein. Alors on a Gyro, le meilleur ami du personnage. On a l'impératrice de l'air, Sandra, qui représente la Belgique. L'impératrice. Et nous avons dessin magnifique, un de mes derniers. Attention, il est protégé. Il est protégé. Et ici, regardez-moi ça. Balèze comme jamais. Balèze voilà. Comme jamais. Balèze comme jamais. Et le personnage principal, c'est Jill. Attends, je vais te le montrer là. Ouais, montre-nous un dessin top. Ah, on y est. Voilà, on y est. Tu ressembles un peu à Jill, toi, non? Avec ta mèche comme ça, non? Alors, l'évolution, elle est simple. On passe de quoi à quoi? Montre un peu. Alors, déjà, il y a une première version qui a été faite avant celle-là, parce qu'on dit que c'est la première version, maintenant c'est la deuxième version. Il y en a une première qui a été faite juste pour moi, etc. Alors ensuite, nous avons la deuxième version, celle qui est là, que j'ai fait à l'époque, en 2022, okay. Enfin 2021-2022. Okay. On voit que tu as eu moins la main là-dessus. Hein. Alors puis j'ai fait cette version-là. Ah, c'est déjà mieux. Un peu plus sympa. Ouais. Avant d'arriver justement à cette version-là. Finale. Voilà. Terrible. Hein. De fin 2023. Ouais, magnifique. Donc n'hésitez pas à suivre Nakama sur tes différents réseaux. Ouais. Jinuzukai. Jinuzukai sur Instagram. Jinuzukai sur Facebook. Sur TikTok. Allez-y. Sur TikTok aussi, non? Voilà. Et n'oubliez pas de soutenir aussi. Le meilleur youtubeur, Fabrix. Le meilleur youtubeur de la vie. De la vie. Ouais, donc voilà. On est ici. On est présent et on continue cette magnifique course, vraiment avec des gens très sympathiques que vous allez sûrement constater dans la vidéo. Ça va? Allez, je vous laisse. T'as le truc de Jinuzukai, quoi. T'as ça, mais en tout petit. Ah, oui, ça oui. Fait genre que, voilà, il joue au futur jeu. Tu vois? Bonjour. Bonjour. Ça va? On s'est déjà vu, je pense. Oui, oui. Vous étiez venu quand on était venu voir un pote ici, non? Moi, non. Je pense qu'on s'est vu ici parce que, oui, ça peut être qu'ici. Ça peut être qu'ici, en tout cas. C'est quand vous avez commencé à dessiner? Il y a longtemps. J'ai commencé à travailler à Belvision en 68. En 68 67. 67. J'ai travaillé sur le dessin animé du Tintin, Astérix, du Tintin et du Kérik. J'ai travaillé une petite dizaine d'années, pas de ans, à Belvision. Et puis j'ai commencé à faire de la BD. Et comment c'est venu cette passion? Je n'avais rien faire d'autre. Et ça prend combien de temps pour faire une BD? La dernière, j'ai mis 3 ans. Je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais sinon, j'en faisais une, parfois une et demie, deux par an. Quoi. Ouais, bah, c'est bien. Je dois avoir fait une soixantaine de BD. 60, c'est pas rien. Hein. Pas mal, quoi, t'as là. C'est... Ouais. Et quelle est votre BD préférée sur ce que vous avez fait? La mienne? Ouais.
Mais celle-ci, le dernier, enfin non, le premier de cette série-là, c'était il y a 40 ans. Et j'en ai fait 7, il y a 40 ans. Plus en plus fait. Et maintenant, je vais en refaire une parce que ça m'amuse plus que les autres. Mais j'ai fait toute la comtesse de Ségur en BD chez Casterman. Ah oui, Casterman. Donc là, j'ai fait, je sais pas, 12 ou 15. Il est incroyable, ces BD sont là. Et je prends des pauses, puis je reprends, tu vois, mais faut compter minimum. Tout seul, ouais, donc là, oui, là, tout seul. Et maintenant, je vais faire un enfant. Voilà. Ça, c'est le personnage. Et ça, c'est vraiment le personnage principal, avec son meilleur ami. Tu vois. C'est super bien. Et quand tu vois l'original, le pilote, le numéro 0, là, tu vois l'évolution des deux, c'est totalement différent. Ouais, surtout quand tu vois, enfin, hier, je l'ai montré. Mais il est sympa parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux lire les deux, la nouvelle version et l'ancienne. Il y a des passages totalement changés, des personnages totalement changés aussi. Donc tu vois, tu peux prendre plaisir à lire les deux. Sans l'influence Dragon Ball ou pas? Je le savais. Il va dire Trunks, il va dire Vegeta. Un mix entre... Attention, tu ne peux pas... Ah, pardon, c'est pas encore produit. Tu vois?